Madame, monsieur, bonsoir. Un pas vers le grand chelem. John McEnroe, une nouvelle fois, remporte le tournoi de Wimbledon. Tu m'as encore loupé les titres. Je te demande pourtant pas grand-chose, m'enregistrer le journal quand j'ai conseil d'administration. De toute façon, tu mets jamais le son. Pas quand je mange. Dis donc, il n'y a plus que du 73. Faudra qu'on fasse livrer. Voilà. Un peu de foie gras par là-dessus. Ça s'est bien passé, ta journée? Oui, oh, le train-train. À part ce con de Moulineau qui voulait me faire un procès. Quel gland. Et Prudence, qu'est-ce qu'elle fait? Elle avait dit qu'elle serait là vers 7 heures. Tu as renversé du vin sur ton veston. Avec Pépin, elle risque rien. Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. T'as donné du pâté aux hommes? Mais oui. C'est fou ce que cette fille a mauvais genre. Elle est maquillée comme une poule. J'aime bien. Voilà le secret du foie gras truffé. 50-50. Pas comme dans leur boîte merdique. La nouvelle cuisine, elle peut aller se faire cuire un œuf. Tu vas te rendre malade avec tes régimes à la con. Qu'est-ce que tu veux, moi, la ligne patapouf? C'est pas mon style. Si j'ai pas mes 5000 calories, je suis une loque. Ce qui est chiant, leur journal. Où t'as mis mon flambi? Quel bordel, là-dedans. Merde, il va que jusqu'au vin. Ça, c'est la bonne. Oh, regarde, Lucien. Mais c'est Prudence. Qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce que tu racontes? Prudence à Tahiti? Mais t'as la berlue, ma pauvre Suzanne. Mais non, avant. Retourne en arrière. Stop, stop. Mais t'as raison. Qu'est-ce qu'ils font? Et ces deux-là qui cavalent derrière. Attends. Oh mon Dieu.